Kearney s'est fait agresser chez elle. C'est quoi cette histoire? Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose? Vous avez des ennemis? Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Vous pouvez nous en dire plus? Proglio fait des zingues à Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du gouvernement. Vous avez des preuves? Il veut devenir numéro un mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. Excusez-moi pour le retard. Vous n'êtes pas convié. Vos questions à la direction, vous gérez bien auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui? Faites attention. Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est toi toujours dans la cour des grands. Madame Kearney, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Mais j'étais violée! Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Arrêtez de dire mon scotch. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau. T'es vraiment devenue obsessionnelle, c'est chiant à la longue. Vous êtes toute seule. Ils se seront jamais faire, surtout par une femme. Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Vous trouvez pas que c'est assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité. Je n'ai pas menti. Thank you.